Donc voilà l'entraînement des U19 féminines. Apparemment, les joueuses qui avaient participé au match avec les professionnels dimanche ont rejoint. Bonjour. Un nouveau groupe de joueuses U19 vient d'arriver. Donc là apparemment une autre section féminine vient d'arriver. À mon humble avis, elles ne sont pas toutes U19. J'ai vu tout à l'heure deux joueuses féminines de l'équipe professionnelle, à savoir Marine Pervier et Charlotte Bilbao, qui sont venues donc avant leur entraînement et elles ont mis en place tout au fond leur un peu un schéma d'entraînement, et là elles sont en train de les briefer. Donc j'ai l'impression que c'est donc ces deux filles qui vont entraîner aujourd'hui ces jeunes joueuses. Donc je sais pas est-ce que cela est habituel ou c'est juste pour remplacer. Je sais que l'autre fois, Kelly Gadea avait accepté de faire un remplacement et avait entraîné des jeunes féminines, je sais. Elle m'avait dit que c'était à titre exceptionnel. Donc c'est peut-être aussi le cas aujourd'hui, je sais pas. C'est pour ça que je pense que c'est assez intéressant de venir suivre la section U19 de temps en temps, histoire de voir un peu comment c'est organisé, comment ça se passe, parce que forcément c'est des joueuses qui sont, elles sont amenées à jouer de temps en temps avec l'équipe féminine professionnelle, notamment lors des coupes, entraîneurs des professionnelles féminines. Sarah Mbarek aime bien utiliser des U19 qui ont le niveau pour jouer avec les professionnels au niveau des coupes, et puis ça permet de faire tourner un petit peu l'effectif. Donc on a vu par exemple dimanche dernier
dans le quart de finale du Challenge de France contre La Roche à domicile. Voilà, il y avait quelques U19 donc qui étaient rentrés et qui avaient participé au match. Des joueuses comme De Souza, Viana. C'est des joueuses qui ont l'habitude de jouer avec les professionnels de temps en temps. Voilà. Donc de manière générale, les U19 ont leur entraînement sous les coups de 16h30 en semaine. Donc elles sont amenées à s'entraîner quasiment tous les jours et elles combinent à la fois donc les études avec le sport. La majorité d'entre elles sont encore lycéennes, hein. Des joueuses de 94 quand même, parfois un peu plus jeune. Et donc parfois certaines sont amenées à participer aux entraînements avec, avec les professionnels qui elles viennent plutôt vers les 18h30 en semaine. Elles utilisent le même terrain ou le terrain d'à côté qui est juste là. Vous pouvez voir, il y a d'autres sections qui s'entraînent aussi. Hein. C'est assez bien réparti au niveau des horaires. Hein. Donc, c'est en fonction des disponibilités qu'ils ou elles choisissent les terrains, ou aussi en fonction des matchs. Quand elles vont jouer un match le week-end sur synthétique, elles ont tendance donc plutôt en fin de semaine faire des entraînements. Mais, sur ce genre de terrain-là, histoire de pouvoir avoir les bonnes sensations arrivées au jour du match, quoi. Et après, plutôt l'autre terrain à côté, qui est déjà un terrain beaucoup plus gras, quand elles doivent faire des déplacements et qu'elles savent qu'elles vont jouer voilà, sur un terrain qui sera déjà nettement différent.